Alors, l'outil DevOps, c'est un outil de sensibilisation à l'autonomie protéique. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'aider l'éleveur à comprendre ce qu'est l'autonomie protéique et à imaginer les solutions pour être plus autonome et donc améliorer son l'utilisation de l'azote sur son exploitation. Alors, c'est un outil pour des conseillers qui vont aller dans les fermes et en très peu de temps élaborer un diagnostic en faisant un bilan des besoins ainsi que de l'approvisionnement en matière azotée et à partir de là de déterminer quel est le niveau de dépendance que l'on a avec l'autonomie achetée à l'extérieur, donc à l'inverse avec l'autonomie produite sur son exploitation. DevOps, il va être disponible très rapidement en début d'année 2023 et il va être disponible pour tous les conseillers qui vont pouvoir ainsi et sensibiliser les éleveurs et aller vers des solutions pour améliorer l'autonomie protéique.